Salut, bienvenue sur ma chaîne, c'est tout simplement Alicia et aujourd'hui on va te parler de comment rester motivée sur ta perte de poids. Et je te laisse avec le petit générique. J'aimerais te parler de comment rester motivée, mais avant tout ça, je t'invite à liker, à t'abonner et à activer la petite cloche et surtout à télécharger ton petit guide qui se trouve en barre d'infos, qui est totalement gratuite bien sûr et qui est très facile à lire et qui va te permettre de changer tes habitudes de manière progressive et surtout de perdre du poids de manière durable. Alors déjà, comment rester motivé? Toi, t'as déjà perdu 1, 2 kilos ou 5 kilos ou 10 kilos et t'en reste 30 à perdre ou voire un peu moins. Et toi, t'es là, tu fais les beaux jours arrivent, l'été arrive, et en fait, bah, t'as pas perdu autant que tu voulais, et surtout, en fait, tu sais qu'avec l'été, ça va arriver les barbecues, ça va arriver les sorbets, les glaces, et ça va arriver les pique-niques, tout ça, tout ce que tu ne peux pas contrôler, c'est-à-dire les repas entre famille, la cuisine que tu fais, que tu mets exprès pour changer ton alimentation de manière progressive, et surtout, en fait, tu vois que les gens, bah, finalement, ils sont pas comme toi, ils ont pas besoin de changer leur alimentation parce que voilà, malheureusement, ça aurait été beaucoup plus simple s'il n'y avait pas le monde extérieur et que tu pouvais rester dans ta bulle et contrôler la petite goutte d'huile que tu mets exprès dans tes plats pour ne pas grossir. Et bon, bien sûr, tu n'as pas envie de devenir une ermite hein, pour perdre tes kilos en trop ou tes 20 kilos en trop pour continuer à perdre. Donc, comment faire pour rester motivé malgré l'été arrive et surtout, ou même des fois, parce que malgré des fois, tu as besoin d'une pause dans ta vie et que en fait, tu n'as pas le temps de cuisiner, tu n'as pas le temps en fait de faire des plats maison sains et que tu préfères t'acheter, qui n'est pas grave au final, un plat cuisiné parce que tu n'as pas le temps de cuisiner. Donc, la première chose à faire pour rester motivé, c'est, j'espère que tu as laqué, hein, la première chose à faire, c'est déjà de ne pas stresser. Je comprends pas, qu'est-ce que tu me dis, Alicia? Alors, bah déjà, ne pas stresser, c'est pas parce que un moment, dans une semaine, voire deux, tu perds pas, ou tu perds juste 500 grammes, ou t'as pris 500 grammes parce que tu t'es laissé un peu aller, parce que t'as fait le repas avec Pierre, Paul, Jacques, et puis t'as fait le petit repas de famille le dimanche où t'as mangé un bon rôti avec des frites et comme dessert une tarte à la rhubarbe meringuée, que ça y est, tu as tout raté ton régime et ça y est, tu vas repartir de travers. Non, arrête de stresser, c'est pas grave, il faut aussi profiter de la vie. Ce n'est pas parce que tu vas dans un repas et que tu manges un peu plus parce que c'était très très bon que ça y est, tout est foutu, que tout ce que tu as appris sur ton corps, tous les aliments que tu aimes ou que tu n'aimes pas, ça y est, c'est foutu. Non, il faut que tu relativises, tu dis bon bah c'est pas grave, j'ai profité de ce repas là, de toute façon je fais confiance à mon corps il va se dire bah t'as un peu trop mangé, peut-être tu verras que de toi-même le lendemain tu vas moins manger, donc t'en fais pas, tu vas régler ça, arrête de stresser. La deuxième chose, c'est d'arrêter de te dénigrer. Ce n'est pas parce que tu as fait 3 repas dehors et où tu as mangé un peu plus que d'habitude que tu dois commencer à te dire « Tain, ma semaine est ratée, je suis une merde alimentaire !» Non, ne fais pas ça. Déjà, essaie de comprendre pourquoi tu avais envie de plus de sucre. Est-ce que tu as mangé assez? Est-ce que tu n'avais pas besoin de te relâcher un peu? Est-ce que tu n'avais pas besoin en fait de juste profiter en fait? Donc arrête de dénigrer, c'est pas parce que cette semaine tu t'es lâché un petit peu que ça y est tu vas grossir en fait. Non, tu vas pire prendre 1 kilo, mais c'est même pas 1 kilo de gras. Des fois tu fais du sport à côté, c'est 1 kilo de muscle que tu prends en fait. Par exemple moi je sais que lors du confinement ça m'a vraiment touché beaucoup. Et même si là on est en déconfinement, bah, j'ai besoin d'une semaine, même si j'ai pas pris de poids, j'ai pas perdu de poids, où je me suis lâchée, où je suis repartie dans mes travers, mais parce que en fait je me sentais mal, non pas parce que oui on est en déconfinement, mais parce qu'en fait j'avais besoin de ça et je me suis dit bah quand je me suis posé la question mais attends là ça va pas, pourquoi je remange comme ça, bah je me suis dit bah oh bah finalement le confinement m'a plus touchée que ça, donc bah voilà et puis là je suis repartie à manger comme il faut, à reprendre soin de moi et puis retrouver dans mes anciens, pour vraiment rester motivée, je te laisse bien. Déjà, j'espère que t'as laqué et j'espère que t'es juste là pour les courageux qui veulent vraiment perdre du poids. La troisième chose, c'est de te rappeler pourquoi tu as voulu perdre du poids et surtout pourquoi tu as grossi. Pour moi, le plus important, c'est savoir pourquoi tu as grossi et c'est qui rejoint ensuite la question pourquoi tu voulais perdre du poids. Parce qu'en fait, le fait que tu comprennes pourquoi tu as grossi, ce sera beaucoup plus facile d'arrêter toutes les mauvaises choses que tu fais pour dès que tu vas mal ou dès que tu es heureux. Si tu comprends pourquoi tu as grossi, si tu comprends pourquoi tu manges tes émotions et pourquoi pour toi c'est beaucoup plus facile d'aller manger tes émotions que plutôt
les affronter et que tu vois les émotions comme quelque chose de négatif, ça sera beaucoup plus difficile de changer ça dans ta vie. Quand tu arrives à comprendre pourquoi tu, à chaque fois que tu vas mal, tu manges, ou même si tu as une idée, tu vas dire ah bah là je vais un peu mal, je vais peut-être pas me tourner vers mon paquet de chips parce que j'en ai pas vraiment besoin, je n'ai pas faim, mais j'ai plus me tourner peut-être à me faire un pain ou à en parler à une copine. Tu vas commencer à verbaliser ce qui va pas au lieu de les intérioriser par la bouffe. Le quatrième chose, c'est déjà recommence à manger sainement, recommence à te faire plaisir. Bien sûr que moi j'encourage toujours de manger ce que tu as envie, bien sûr qu'il faut le côté sain, mais il faut que ce que tu manges soit bon. Par exemple, tu manges uniquement les choses qui sont sains mais qui n'a aucune saveur, ou t'épices pas tes plats, tu vas jamais perdre du poids, ou tu vas les perdre et puis après, une fois que tu auras terminé les kilos que tu auras perdu, tu vas les reprendre. Et le but de cette chaîne, le but en fait, c'est vraiment de perdre sur la durée. Ce n'est pas de perdre juste le temps de l'été ou le temps pour rentrer dans une robe pour un mariage, c'est vraiment de perdre sur la durée, de changer vraiment cette habitude de telle manière à ce que tout ce qu'on mange, c'est parce qu'on aime ça et surtout qu'il nous fait du bien à notre corps. Je sais qu'il y a le côté plaisir qui prime, mais je pense qu'on peut aller facilement les deux entre le fait de bien manger et le fait que ça soit bon en fait. Et la cinquième chose pour rester motivé et franchement arrêter de se dénigrer, et d'arrêter aussi de manger quand on va mal ou quand on va bien, tu le sais, oui, je vais le dire, je vais oser le dire, c'est le sport. Je sais, tu vas me dire mais pourquoi tu l'as dit Alicia, je n'aime pas faire du sport. Mais en fait, il faut que ça devienne une habitude, il faut que tu commences à aimer et tu n'as pas besoin de faire du sport intense pour perdre du poids. Tu peux très bien marcher une demi-heure tous les jours, tu peux très bien faire de la danse, tu peux faire du yoga pour te reconnecter avec toi-même. Et oui, c'est du sport, du yoga. Tu peux faire du HIIT, il y a plein de vidéos sur YouTube. Il faut que tu trouves un sport qui te convient et qui te fasse plaisir parce que ça va te permettre en fait de libérer des hormones comme la noradrénaline qui permet de déstocker les graisses, mais aussi le sport te permet de travailler ton métabolisme, permet de travailler la fatigue, elle permet de travailler ton humeur. C'est un excellent antidépresseur, donc n'hésite pas à faire du sport. Je sais que c'est compliqué et je te demande pas non plus de faire du sport tous les jours pour atteindre ton objectif. Tu peux très bien faire du sport 3 fois par semaine, faire une marche tous les jours. Tu verras que tu vas perdre du poids, le fait que te bouger. Et tu verras aussi que le fait de sortir, marcher, même si c'est qu'une demi-heure, ça va te faire du bien pour te retrouver avec toi-même en fait. Donc n'hésite pas à faire du sport. Je sais que c'est compliqué, des fois le soir il y a ta petite série qui t'attend, c'est pas grave, tu peux la enregistrer maintenant avec tous les systèmes qu'on a, tu peux l'enregistrer et en rentrant tu l'auras, ça sera, au lieu d'être que ce soit à 18h30, ça sera à 19h, au moins ça t'aura fait plaisir dans les deux cas, tu seras en mode petit tour avec mon copain ou avec votre mari ou avec vos enfants ou toute seule et puis après hop on se pose devant la télé avec notre petite série qu'on a en décalé. Voilà, Pertes, jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te dis à la prochaine fois. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à me rejoindre sur Instagram.